attend le signal. Quel signal ? Cette assemblée ne peut rien de plus pour sauver notre nation. Celui-là. Bonsoir, messieurs. Êtes-vous prêts ? Non. Que se passe-t-il ? J'ai passé la journée à errer d'une folie à l'autre sans comprendre le sens de mes actes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir quelles sont tes intentions. Bien sûr. D'abord, nous allons nous rendre chez Nathaniel Bradley pour rassembler le reste de notre groupe. Puis, nous irons à Griffin's Wharf pour aborder les navires et jeter le thé à la mer. C'est simple, non ? Plus simple à dire qu'à faire. Allons, Connor. Ce soir, nous aurons tous gagné. Les Fils de la Liberté vont envoyer un message à l'Angleterre et tu vas priver Johnson de ses finances. Ton village sera sauvé. J'ai une idée. Pourquoi n'ouvres-tu pas la voie ? Ça nous épargnera les mauvaises rencontres. Non ? Bon sang, d'autres gardes ! Nous devons absolument tirer profit de la colère des habitants. Donne l'ordre, Connor, et je m'en charge ! Tenir ces chiens à distance pendant qu'on jette le thé à la mer. Je vais t'aider. Dis-moi ce que je dois faire.
Nous avons réussi.
Connor ! On t'a gardé la dernière. Il vaut mieux ne pas traîner, hein. C'est fait. Johnson est mort ? Non. Il est parti pendant qu'on détruisait son thé. Pour préparer d'autres horreurs, sans doute. Tu aurais dû le tuer, Connor. C'était inutile. Ça, seul le temps... On pourra nous le dire, mon petit. Adonna Gaiden ! Adonna Gaiden ! Galen Dorgon, que fais-tu ici ? Il est arrivé quelque chose ? William Johnson est revenu, avec la somme nécessaire pour acheter nos terres. Il parle aux anciens en ce moment. Je les ai implorés de refuser, mais Johnson triomphera sûrement si tu n'interviens pas. Comment a-t-il fait ? On a détruit le thé. Sache que les Templiers parviennent toujours à leur fin. Tu aurais mieux fait d'écouter mes conseils. Mon frère, tu dois empêcher ça. Bien sûr. Sais-tu où a lieu cette rencontre ? Na gnia dar ad it ganus de ne Johnson sin ja dar rocks ta qua hi gan si wat ne ganun harad un haged ta qua der harad qua ka to Terres qui ne sont pas à toi. Oh, ça
Nous sommes au courant des expéditions que ton peuple lance. Les esprits nous guideront, comme ils l'ont toujours fait. Ne sont-ils pas guidés ici? Oui, afin de démasquer ce grand traître. C'est une erreur. Il faut signer. Allons, du calme. N'ai-je pas toujours été de votre côté? N'ai-je pas toujours cherché à vous protéger? Si tu veux nous protéger, donne-nous des armes, des chevaux et des mousquets pour nous défendre. La guerre ne résoudra rien. Nous n'avons pas oublié Stanwix, ni la modification des frontières. Aujourd'hui encore, tes hommes creusent la terre sans se soucier de ceux qui y vivent. Tes paroles sont douces, mais fausses. Nous ne sommes pas venus négocier ni vendre. Nous sommes venus te dire de quitter ces terres. Très bien. Je vous ai offert la paix. Et vous l'avez repoussée. Peut-être la violence saura-t-elle vous convaincre. Tu nous menaces? Oui. J'ai fait échouer tes plans. Tu voulais ces terres pour les donner aux Templiers. Oui, afin de les protéger. Tu crois que le bon roi George se soucie vraiment du sort qui attend les indigènes de son royaume? Ou que les citadins s'intéressent aux tribus indiennes? Oh, bien sûr. Les colons sont ravis de commercer avec elles quand ils ont besoin de nourriture ou encore de vivres pour leurs armées. Mais quand la ville sera trop petite, et que des champs ne suffiront plus. Quand il n'y aura plus d'ennemis à combattre, ils révéleront leur vraie nature. Les colons ne feront pas la guerre aux Iroquois. Pas maintenant. Mais ça viendra. Le monde est ainsi fait. La guerre viendra. J'aurais pu l'éviter. J'aurais pu tous vous sauver. Tu parles de les sauver, et pourtant tu les tuais. Oui. Car il refusait de m'écouter. Et toi, mon pauvre, tu te trompes. Ayamas ne yate hagum sere, amdahyayum eskanas e zagum haje.
danger subsistera tant que Pitcairn vivra. Je dois le trouver et lui ôter la vie. Je pensais que j'y verrais plus clair, que j'en serais soulagé, mais je ne ressens que le remords. C'est une bonne chose. De tels sacrifices doivent peser sur l'âme. Je devais le faire. Pas seulement pour mon peuple, mais pour ceux que Johnson aurait fait souffrir. Oui, c'est un début. Mais pour nous libérer de l'influence des Templiers, tu vas devoir tous les tuer. Même ton père. Je sais. Penses-tu le savoir? Ou le sais-tu vraiment? On a de la compagnie. Qu'est-ce que c'est? C'est un appel à l'aide de Paul Revere. Les Tuniques Rouges préparent quelque chose à Boston. Tu as dû faire forte impression sur les Fils de la Liberté. Ils me prennent à tort pour l'un des leurs. Dites à M. Revere qu'il a ma sympathie, mais que je ne peux l'aider en ce moment. Sache une chose avant de refuser. J'ai lu le nom de John Pitcairn. Où dois-je aller? M. Revere habite à Boston. Si vous voulez, je... Connor, quelle joie de te voir. Permets-moi de te présenter William Dawes et Robert Newman. Ta lettre disait que John Pitcairn était ici. Oui. Il mène une attaque contre Lexington, où Adams et Hancock se sont réfugiés. Ensuite, il marchera sur Concord pour y détruire nos armes et nos vivres. Tu dois... nous aider. Dis-moi où il est, et je mettrai un terme à son offensive. Il a des dizaines, sinon des centaines de soldats sous ses ordres. Tu ne pourras jamais le combattre seul. Mais ne crains rien, tu ne seras pas seul. Nous disposons de toute une armée. Elle n'attend que l'ordre de se mobiliser. Tu dois la convoquer sans tarder. Avec joie. Tous les deux, nous traverserons le Charles pour rassembler nos hommes. William, fais de même, en passant par les terres. Robert, tu dois te rendre à Christchurch. Allume le signal. Deux lanternes si notre ennemi vient par la mer. Pas question de traîner, mon ami. Des vies sont en jeu. Allons. Ah! Ils n'ont laissé qu'un seul cheval. Nous allons chevaucher ensemble. Ah! Prends les rênes, je t'indiquerai le chemin. Vite, Connor! Monte en selle! Je te guiderai vers ceux que nous devons alerter. Suis mes instructions et nous serons vite rendus. Connor! Fais demi-tour, Connor, ce n'est pas le bon chemin. Des tuniques rouges. Qu'est-ce qu'ils font ici? Sûrement des éclaireurs. Sois prudent, Connor. Ils ne doivent pas avertir la troupe.
Tourne à gauche, ici. Poursuivons le chemin à pied. C'est cela. Nous sommes au bon endroit. Prévenez tout le monde. Les soldats marchent sur Lexington et Concord. Les Anglais arrivent. Remontons en selle, Connor. Nous avons d'autres gens à prévenir. À gauche! S'ils nous découvrent, tout est perdu. Trouve une cachette! Où sommes-nous? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Soldats, sois prudent. Tourne à gauche ici. Tourne à gauche ici. Poursuivons le chemin à pied. Tu as entendu ce bruit? Ce sont des soldats? Sois prudent. C'est cela. Passez le mot. Les soldats du roi arrivent. Tout de suite.
Allez, c'est ça, c'est le bon chemin. Pas ici, Connor. Poursuivons le chemin. C'est cela. Nous sommes au bon endroit. Les tuniques rouges sont... Là ! Nous sommes là ! De nous débarrasser d'eux, Connor. Nous devons les semer. Il s'en est vraiment fallu de peu. Essayons d'éviter d'autres mauvaises surprises. Connor! Ce n'est pas le bon chemin, Connor. J'ai fait ce trajet une douzaine de fois. Pourquoi est-ce que je ne reconnais plus rien? Je dois reprendre mes esprits. Il serait préférable d'approcher ces maisons à pied. C'est cela. Nous sommes au bon endroit. Mais
Où diable est-il passé ? Es-tu sûr que nous sommes au bon endroit ? Sûr et certain ! Prescott ? Bonsoir, messieurs. Écoute, les tuniques rouges arrivent, tu dois rallier tes hommes. Et... va vite t'habiller. Tout de suite. Bienvenue à Lexington, Connor. Il ne reste plus qu'à trouver Hancock et Adams. Aucune trace de Dawes. J'espère qu'il va bien. Connor, content de vous voir. Vous devez partir, les tuniques rouges arrivent. Oui, William nous l'a appris. Qu'ils mènent leur perquisition, ils ne trouveront rien. Tu ne comprends pas. Pitcairn a l'intention de te tuer. Je crains que ce ne soit vrai. Nous n'avons d'autre choix que de partir. Mais ayez-vous droit. Dawes et moi allons poursuivre vers Concorde. Connor, mieux vaut que tu restes ici pour aider John Parker à défendre la ville. Cela nous laissera le temps de faire passer le mot. Campez sur vos positions. Laissez-les tirer les premiers. Mais s'ils tiennent vraiment, s'ils tiennent dans la guerre, qu'elle commence ici. Pitcairn, dispersez-vous, maudits rebelles. Posez vos armes et dispersez-vous. Mais que faites-vous là? Donnez vos positions. Pleutre, traître. Ils ne reviendront pas. Tu vas devoir tenir la ville avec ce qui te reste. Ne me dis pas comment je dois. Ripostez ! Ripostez ! Tu dois rejoindre Concorde pour prévenir les autres. Montre ça à celui qui commande la garnison. Ce devrait être un homme du nom de James Barrett. Allez, vas-y. Sortez !
fusillez tous! Ils font des prisonniers, fuyez! Et quel mon frère et ce pauvre Robert! Il faut faire quelque chose! Le sang a coulé à Lexington, et ce n'est qu'un début. Les tuniques rouges sont en marche. Oh, vraiment? Pourquoi crois-tu que nous sommes réunis? Rentre chez toi, si tu veux pas te faire tuer. J'ai assez de soucis pour m'occuper d'un genou qui veut essayer de jouer les héros. Je me porte garant de lui. John Parker aussi. Où est Revers? Ils l'ont pris. Quoi? Ne crains rien. Il a l'habitude de se retrouver dans le pétrin. Il s'en sortira, j'en suis certain. Vous avez fini vos commérages? Parker semble croire que tu es plus utile que tu en as l'air. Alors j'imagine que tu pourrais nous aider à régler une chose ou deux. Quand la bataille commencera, nous devrons tenir ces positions. Elles sont cruciales pour la défense de Concorde. Ces braves gars ne se sont jamais battus. Ils auront besoin d'un homme d'expérience à leur tête. Tu seras à la hauteur? Tu n'auras pas le droit à l'erreur. Tu as ma parole. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à attendre. Monsieur! Tous aux barricades! Toi, veille à ce qu'on tienne ces positions. Si les diables rouges passent, nous sommes perdus. Que veux-tu que je fasse? Écoute-moi bien. Les Anglais vont former des lignes de feu. Donne l'ordre de tirer juste avant que la ligne soit prête. Pas avant, sinon les rateront leur cible. Et pas après, l'ennemi tirerait le premier. J'ai compris. Et si le moindre de ces porcs parvient à passer, attaque-le. Tu dois protéger la vie de mes hommes. Ne tirez pas! Allez!
Attendez mon signal. Attendez le signal. Ouvrez le feu. Attendez mon signal. Préparez-vous. Ne tirez pas. Faites feu. Attendez mon signal. Allez. Attendez le signal. Allez. Attendez le signal. Ouvrez le feu. Attendez mon signal. Préparez-vous. 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 Attendez le signal. Ne tirez pas. Tirez. Attendez mon signal. Ouvrez le feu. Repliez-vous. Repliez-vous. On a réussi. Ils partent en retraite. Sont partis. J'aurais dû frapper quand je le pouvais. Sais-tu où Pitcairn n'a pu se rendre? Il est sans doute retourné dans le giron des Anglais pour regrouper ses troupes et préparer son prochain massacre. Je dois le retrouver. Plus je tarderai, plus il fera de victimes. Sois fier, mon ami. Beaucoup d'hommes ont survécu à ce combat grâce à toi. Que dire de cela? Nous faisons de notre mieux avec nos moyens. Ça ne suffit pas. Tu dis vrai.